Yo, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un petit jeu flash un peu bizarre qui s'appelle What the Fuck Talk. Donc vous allez voir, on se retrouve dans le rôle d'une sorte de proctologue, hein. C'est, il n'y a pas d'autre mot malheureusement. Voilà. On va mettre en plein écran, soyons fous. Normal, turbo, laisse tomber, c'est trop rapide. Voilà ce qu'on appelle un fist. Maintenant vous imaginez si le conduit du caca était aussi gros. Parce que là en fait c'est plus ou moins les restes qu'on a quoi. Parce qu'une fois qu'on a fait caca, c'est. Il reste ça. Par contre je comprends pas. Quel est le but? Petite trace de caca ou les doigts. La classe, la grande classe. Franchement, ce jeu-là, c'est la grande classe. À côté, Shadow of the Colossus n'a qu'à bien se tenir. Je sais, ce n'est pas comparable, mais bon. Je parle que niveau poésie, c'est plus ou moins pareil. Et là, on va faire vraiment ce que c'est du fist. Mais un bon gros fist. Qui a mal? L'infection ou l'homme qui... Avec des dents de caca à côté. Normal. Allez, niveau 2. Donc en haut à droite, c'est notre vie, hein. Quand on laisse passer des morceaux de caca, notre colon s'affecte, on va dire. Voilà, comme là. Un petit peu de caca, voilà. Je suis vraiment ravi de vous tester ça, c'est la grande classe. Les jeux vidéo rendent violents, non? Je vais mourir. Si je regarde la caméra, je vais mourir. Cette musique épique qui revient. Pour la musique, c'est Kratos qui a qu'à bien se tenir. Voilà, on peut dire que le docteur, c'est Kratos. Un nouveau fist. Vous imaginez si le caca il avait vraiment des yeux comme ça? Vous imaginez si il y avait un truc comme ça dans le cul? Le verre c'est quoi autour, hein? Franchement, avec une tête comme ça, franchement, faut avoir confiance en le docteur, hein, franchement. Putain. Mais mettre moi dans mon cul? Non, 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 comme le mec là, non, non. Ah, ça y est. What the fuck, Doc? Ou le caca maudit. Non! Je vais mourir à cause du caca. Et c'est là, franchement. J'attendais jamais à dire ça un jour. Alors déjà le mec il a un bras qui fait 10 km de long, parce que putain, 2135. On s'en refait une. Ah. Imaginez le mec. Ah, déjà son conduit il est énorme, on fait ça à... on fait ça à Gargantua, c'est pas possible, c'est... Je vais... voilà. C'est un peu hardcore quand même. Je vais chercher le caca. Comme ça. Vous imaginez le mec qui a décidé, tiens, si je faisais un jeu flash, j'étais un médecin, un proctologue, j'allais taper des morceaux de caca avec le bout de mes doigts. Ah, et puis à savoir, vous avez vu, c'est que le mec, quand même, il a un gant qui s'arrête un demi-bras. Quand même. Et l'autre, il rentre le point dedans comme ça, complètement.
Il y a eu une distance qui parcourt dans l'intestin, le mec il est rentré complètement en trou de balle quoi, c'est pas possible. On dit là, on dirait un cul. Que je prends plaisir à fister. Les jeux vidéo rendent violents, mais bien sûr que non, je répète que non. C'est amusant, ça nous apprend que le caca c'est dangereux. Vous avez compris, il ne faut pas faire comme sur internet, il ne faut pas manger le caca même des autres filles. Un peu comme Two Girls One Cup. Si je peux me faire de la prévention, écoutez. Le caca c'est pas bon, voilà. Après on se retrouve avec un monsieur qui nous met un bras de 100 mètres dans le cul. Ah putain, ça lui écarte le trou de balle. Oh, oh, oh. Un insomme combo, ça j'avais jamais eu encore. Bon, j'ai joué 4 fois avant, c'est pas grave. Je veux voir si c'était vraiment intéressant. Voilà, c'est vraiment quelque chose à faire dessus. Je fais penser à Rayman. Je sais, il y a que dans ma tête que ça c'est Rayman. Merci Ubisoft de nous avoir tué Rayman avec vos lapins crétins d'ailleurs. Un enculé. Allez, troisième niveau, on va encore mourir. Là, je suis concentré, là. Je suis à fond, là. Faut que j'élimine le caca. Oh non, mais non, je suis invincible. Un grand niveau de... grand niveau d'intelligence sur cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si jamais vous avez vraiment kiffé, à vous abonner sur la page YouTube et à cliquer sur j'aime sur la page Facebook. Ensuite, si vous avez aimé, bah revenez, hein, y a pas de problème, on va continuer à faire des vidéos. Il y aura peut-être moins de caca, mais bon, c'est pas grave. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye.